Salut les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode du Bon Look. Aujourd'hui, je te parle de la maille, celle qui te permet de passer l'hiver sans casser tes dreadlocks. La maille, ce sont toutes les pièces qui sont tricotées, notamment les pulls ou les cardigans. On les oppose aux vêtements en matière tissée, que ce soit les manteaux, les costumes, les jeans ou encore les chinos. Vous l'avez peut-être remarqué, mais il est toujours difficile de trouver une maille parfaite pour l'hiver. Le tissu n'est souvent pas assez doux, pas assez chaud et souvent trop cher. Voici donc mes conseils pour reconnaître une maille de qualité. La première chose à regarder sur un pull ou un cardigan, c'est la composition de la matière sur l'étiquette. Car au-delà du style, ces pièces ont une fonction précise, vous tenir chaud. Et pour ça, l'idéal c'est le 100% laine, car c'est la matière la plus chaude. Si on excepte bien sûr le cachemire, l'alpaga ou encore le bébé chameau. En revanche, évitez tout ce qui est matière synthétique, polyester, polyamide, polypocket, qui vous feront transpirer. Rassurez-vous, ce n'est pas un drame si on a un petit peu. Un bon repère, 30% de matière synthétique au maximum. Sachez d'ailleurs qu'une faible proportion de synthétique permet de consolider la maille et faciliter son entretien. Mais une marque qui en abuse, c'est une marque qui fait des économies, synonyme de compromis sur la qualité. Et pour moi le top, c'est la laine mérino, plus chaude, plus douce et plus robuste qu'une laine classique. Enfin, attention à l'erreur classique qui consiste à penser que douceur égale qualité. Mais c'est tout à fait faux. Pourquoi ? Parce que les marques bas de gamme sont les spécialistes pour rendre les pulls très doux avec des apprêts chimiques. A l'inverse, la laine d'agneau ou la laine vierge sont rêches mais de très bonne qualité. Donc tant mieux si un pull est doux, mais ne vous fiez pas à sa douceur pour évaluer sa qualité. Après la composition et la matière, on peut observer la confection de la pièce. Le fil doit être bien régulier avec une belle couleur et pas d'effilochage en perspective, comme ici. Enfin, pour le cardigan qui est une pièce plus complexe, il est important de vérifier les finitions, les poches, le col et les boutons. Le must, c'est si vous avez les poches tricotées et pas plaquées. Au niveau du col, vous devez pouvoir observer des diminutions qui ajustent la pièce. Grâce à cela, la maille est tricotée en une pièce pour une coupe parfaite. Passons maintenant en revue les différents types de mailles que vous pouvez trouver sur le marché. Commençons avec les pulls. Il y a deux écoles, les pulls à col V et les pulls à col rond. Bien entendu, les deux ne se portent pas de la même manière. Chez Bungle, on recommande souvent le col rond, car c'est beaucoup plus safe pour commencer. En effet, si le col V appelle naturellement à l'alliance avec une chemise, on n'est pas à l'abri d'erreur. Soit le col de chemise est trop grand et donc le pull paraîtra trop petit et donnera l'impression générale d'inconfort, soit, à l'inverse, le col de chemise est trop petit et le pull paraîtra trop grand. En revanche, avec un pull à col rond, difficile de se tromper. Beaucoup plus polyvalent, il se portera aussi bien avec un t-shirt, une chemise ou encore à même la peau. Le col rond se décline sous différentes formes, unies, texturées ou encore un motif, une diversité qui doit t'inspirer. Concernant la profondeur du col, je te conseille des pulls qui arrivent à la clavicule. Pour les cardigans de nouveau, tu as deux familles. Les cardigans fins appelés cardigans petite maille et les cardigans grosse maille. Le cardigan petite maille apporte une touche urbaine et affine généralement votre tenue, mais reste inefficace en période glaciaire. Mais il est possible d'en trouver des biens pour pas cher. L'autre, le cardigan grosse maille, parfait pour l'hiver, est une pièce plus masculine. Et l'avantage avec la grosse maille, c'est sa grande diversité d'usage. On peut le porter avec une chemise, association classique mais efficace. Vous pouvez d'ailleurs customiser cette approche en y ajoutant une cravate pour une tenue plus élégante. Dans ce cas, veillez à bien boutonner votre cardigan, 2 ou 3 boutons au milieu. Avec un t-shirt, l'association est plus décontractée. Le cardigan doit être ouvert. Pour jouer avec cette tenue, n'hésite pas à remonter les manches et porter quelques accessoires comme une montre, des bracelets ou encore des tatouages si tu es un bad boy. Des accessoires, pas si accessoires. Enfin, comme le blazer, on ne boutonne jamais le dernier bouton d'un cardigan. Point particulier et important pour la maille, l'entretien. Ma recommandation, lavage en machine ou à la main avec un peu de shampoing. Astuce, pour le lavage en machine, glisse ta maille dans une tête d'oreiller pour éviter qu'elle s'abîme. Maintenant pour le séchage, la règle ultime, ne jamais passer la maille au sèche-linge. Et jamais, au grand jamais, tu ne mettras un pull sur un cintre. Parce que s'il est mouillé, il se déformera sous son propre poids. Donc c'est pas compliqué, séchage à plat, sur une serviette et tout ira bien. Enfin, comme d'habitude, un petit tour d'horizon sur les marques que l'on recommande chez Bungle. Pour les cardigans légers en entrée de gamme, va voir du côté de chez Monoprix, pour 60€, ça te donnera un bon aperçu de ce qui se fait sur le marché. En milieu de gamme, la marque 6 et 7 propose des cardigans légers autour de 140€ en pure laine mérino. Pour les cardigans grosse maille, difficile d'en trouver à moins de 250€, car la laine coûte cher et il en faut beaucoup pour produire un cardigan, autour d'un kilo et 1,5 kg. Mais n'oubliez pas qu'un gros cardigan, c'est un investissement durable. Ainsi, pour un budget entre 250 et 350€, tu pourras trouver chez SNS Earning, Monsieur Lassner ou encore 6 et 7 des cardigans qui te dureront plusieurs hivers.
Pour les pulls, en entrée de gamme, Monoprix ou encore Maison Standard proposent des pièces à moins de 100 euros. Dans le milieu de gamme, chez Bonne Gueule, on aime beaucoup la marque Edus qui propose des pulls autour de 100 et 150 euros avec des créations qui fitent bien et un style bien marqué. Et si tu es fan de cachemire, je te recommande la marque Hirkus qui propose des pulls à moins de 140 euros, un rapport qualité-prix incomparable. Voilà, pour conclure, trois points à retenir. Privilégie toujours les matières naturelles, que ce soit de la laine ou encore du cachemire, mais n'oublie pas que ça implique toujours un certain prix. Pour les pulls, je te conseille personnellement les cols ronds. Enfin, pour l'entretien, ne jamais sécher sa maille dans le sèche-linge ou sur un cintre, elle t'en voudra toute sa vie. Si tu souhaites en savoir plus sur la maille, retrouve tous nos conseils sur bonnegueule.fr en cliquant dans la description juste là. Tu peux également poser toutes tes questions en commentaire juste ici ou sur le site bonnegueule.fr, on y répondra. Eh si ! N'oublie pas de t'abonner pour voir le prochain podcast, je t'apprendrai à associer les couleurs et à créer des tenues harmonieuses. Ciao !